Dieu Michel. Mon Dieu Michel, est-ce qu'on est là? Oui. Tout va ok? Ok. Mon Dieu Michel, qui joue? Allô? Oui, mon Dieu Michel. Bonsoir, Gary. Bonsoir, Davidson. Bonsoir, toutes nos amis qui ont collaboré pour une émission impossible. Bonsoir, peuple haïtien. Captain émission ça, une émission très écoutée. Dans le pays d'Haïti, dans la diaspora. C'est un plaisir pour moi participer à l'émission ça pour un petit bout de temps. Parce que moi, il y a longtemps, je ne choisis pas parler en pile dans la radio. Moi, je préfère travailler sur le terrain avec mes amis, mes partisans, mes sympathisants. Vraiment, c'est un plaisir pour me participer après-midi. Merci, Mme Michel. Attendez. On travaille sur le terrain. Donc, ça veut dire ou gagne intention pour capable candidat la gagne élection? Et bon, permettre que moi d'abord présenter sympathie moi à GPPC. Parce que matin, à me lever avec une image, une vidéo. Moi, c'est une vidéo ancienne qu'il a longtemps. Et rapidement, l'équipe communication m'a testé tout le monde qui a publié vidéo. Yo, c'est même mon ça, yo, qui était temps commencé à attaquer un sondage que Radioscope FM a fait. Automatiquement, me comprendre, son espèce de représailles. Moi, pensais que son pays qui est très loin de la civilisation, malheureusement, nous l'a toujours. Un sondage qui fait, c'est pas une élection, c'est pas une journée électorale, c'est pas un conseil électoral qui baille un résultat, c'est un sondage qui traduit expression, volonté majoritaire, 570 monde qui ont participé dans le sondage. Bah, quoi, nous avons besoin de tout ça. Moi-même, m'a dit, moi, quand j'ai regardé Paul Charles longtemps, il y a plus que 20 ans, m'a suivi. On commence à faire politique en 1999, dans KID, Parti Convention Unité Démocratique. Depuis le ça, m'a suivi Gary Pierre-Paul Charles. Pour bien côté, m'a découvert, c'est dans l'émission Télémax, et parce qu'elle est issue, si je ne me trompe pas, c'est là m'a découvert un journaliste professionnel. Ça veut dire, c'est un type qui a construit sa carrière, qui a construit sa vie professionnelle. Et c'est pour moun qui a cherché buzz pour craser moun. Son moun qui a fait information. Gary, son leader, l'el nan radio, ça l'a dit à qui tout d'accord avec elle, qui tout pas d'accord avec elle, li dit, il pas dit pour faire aucun moun plaisir. Et c'est pas quantité moun qui en bas live là, qui a orienté Gary pour faire dire X ou Y. Bref, c'est un homme de conviction, c'est ça, un leader. C'est-à-dire que qui croit que métiers sont affaires de conviction, ça veut dire, vous étiez image qui passait, bah quoi ça, vous êtes capable de déstabiliser un journaliste qui a construit sa carrière dans des situations difficiles parce que nous vivons en Haïti. Alors, vous devez présenter GPPC Sympathie. Hein? Très bien, merci, merci. Vous devez présenter toute l'équipe Scoop là, Sympathie. Et je vais imaginer si un sondage, Radio Scoop fait, est capable de mener à toute bagaille ça. Je le regrette très sérieusement. Bon, moi, pas dit que moi, j'ai une folie. Parce que question candidat, d'abord, je fais partie du SDP, le secteur démocratique et populaire. Question candidat, d'abord, il faut qu'ils débattent en dans SDP. Pour qu'on débat ça en dans SDP. C'est la première chose. Deuxième chose, moi, non dynamique, avec un bon lot de parti politique, un bon lot de groupe de base, groupe populaire, groupe société civile, qui signe accord 21 décembre 2022. Et ma travaille ensemble avec un bon lot de groupe. Il y a nous plus passé 15 groupes politiques sérieux qui sont en mettre ensemble. Il y a l'autre groupe société civile. La PC est construit, la PC est bâti en grande alliance. Pour nous capables d'affronter démocratiquement les prochaines compétitions électorales lorsque les conditions sécuritaires seront réunies.
Ça veut dire là encore dans espace ça, dans gros espace ça m'a parlé là qui sont véritablement en Pemba, qui sont candidatures pour proposer. Ça veut dire on candidature pas capable en folie. Son façon pour me dire que pas aucun monde qui gagne aucune folie. Mais tout compte fait, je suis du SDP, je suis un homme politique, je fais de la politique dans des moments difficiles, ça veut dire moi sur le terrain, avec mes partisans, avec mes sympathisants. Moi, j'ai un monde dans le pays d'Haïti, moi, j'ai un monde dans la diaspora, SDP, j'ai un monde de tous côtés. Ça veut dire nous sommes en bataille. Okay. Nous avons construit, nous préparons l'avenir. Parce que nous, quoi, pays n'a pas prêté Jalier, il y a bien élection quand même. Oui, mais si ce n'est pas de problème gang qui dépend le pays, l'élection est supposée faite déjà. Madame Michel. Par une logique personnelle, en folie personnelle, mais nous nous préparons et nous préparons l'avenir. Madame Michel, bon bagay qui attire l'attention. Autant de fois pendant la période de Jovenel Moïse, côté qu'on mettait des centaines de milliers de monde dehors, d'ailleurs, monsieur Younan Moun, qui toujours dit, c'est ou même qui lead de l'opposition, même si on était contre Fachar Avem, de manière incontestée et de manière incontestable. Alors, donc, ça veut dire, dès que tu as marché dans la rue, tu as gagné un pile monde derrière, gros mobilisation, mais aujourd'hui, c'est le contraire. Comment est-ce que toi, tu analyses le fait que des gens qui t'avaient accompagné, aujourd'hui, le fait que ou non, ou a soutenu le pouvoir Ariel là, nous ça y est, vient du même niveau d'hostilité par rapport à l'amour qui a été gagné pour l'autre dans la rue. Comment est-ce que tu vis ça toi-même? Belle question. Scoop. Dans toute famille, qu'on a un problème, langue à dents qu'on modé. GPPC, Gary Pierre-Paul Scoop FM, auditeur capitaine des radios, croyez-moi si nous voulons. Scoop. Tout le monde qui était ensemble avec nous, dans la bataille nous avons mené, qui se contre Matéli, qui se contre Jovenel Moïse, nous avons ses amis. Et même si nous sommes arrivés à côté, nous avons qui jouent, ses amis. Ses frères, ses soeurs. Nous sommes capables de divergence avec moi. Vous êtes capable de faire des accords avec moi. Vous êtes capable de faire frustration. Mais pas tromper. Jou 4 mars 14, il y a beaucoup de amis. Pas de tête ou menti. Et je parle d'une deuxième bataille. La politique, pour moi, ce n'est pas une affaire de séduction. Lorsqu'on est leader, ou pas capable toujours de faire des bagailles pour faire mon plaisir. Lorsqu'on est leader, il faut prendre politique là. Comme si m'tadou sont question de conviction. Leur quoi on bagaille bon, c'est li pour faire, même si majorité bazou pas d'accord. Parce que moun qui pas d'accord aujourd'hui, ou pas d'accord pour ça, demain a vint d'accord. Et c'est ça que fait. Le Jovenel Moïse mouri, assassiné dans condition ou assassiné, assassinat que nous-mêmes nous t'es toujours condamné, parce que nous t'es combattu Jovenel Moïse, mais nous pas de jambes, mais aucun projet criminel pour lui. Le Jovenel Moïse mouri, nous prenons une décision, nous disons, ouais, quand le pays arrive là, c'est dans le dialogue pour nous rentrer. Il y a des gens qui n'est pas d'accord, qui t'empêté, qui va menti, sous nous, qui fait yon attaquer dans la radio, matin, midi, soir, mais nous avons des convictions, nous restons dans la logique dialogue là. Et faites confiance. La majorité des gens qui t'a pas attaqué nous, ils ont déjà embarqué dans la logique dialogue là. Sauf que nous-mêmes, nous rejoignons la politique. Nous sommes en face Matéli, nous combattons à visière levée. Nous ne jamais rencontrer pendant tout le temps, le président. Nous sommes en face de Jovenel, nous combattons à visière levée ouvertement. Nous ne jamais rencontrer bonjour. Aujourd'hui, nous avec le ministre Ariel Henry qui a supporté nos processus difficiles, nous assumons. Et faire confiance. Quand il y a le monde qui peut comprendre, qui a des accords, qui commence à comprendre. Mais quand il y a le monde tout, qui remet courage, non. Parce que nous-mêmes, nous avons rencontré Ariel Henry. Nous allons rencontrer la minuit à 2h du matin. Nous avons mettre des casquettes dans la tête pour aller à Ariel Henry. Nous allons rencontrer Ariel Henry. Nous n'avons pas rencontré le tout, le secrétaire général là. Tu dis? Nous n'avons pas rencontré le tout, le secrétaire général. Non, c'est comme ça, mieux.
Quel que soit ça m'a fait, je le fais ouvertement. Moi, je suis pas dans politique où l'aime débord. Moi, je suis pas dans politique en bas chal. Moi, je dis, depuis Jovenel Moïse, il faut nous rentrer dans un accord politique. Nous rentrons dans un accord politique là. Nous assumons que nous avons supporté Ariel Henry, même si bagaille est difficile. Nous avons courage, nous avons conviction, nous avons tempérament. Nous pas besoin de jouer où l'aime débord. Mais le monde qui a supporté Ariel Henry, qui peut l'assumer? Bon, on ne va le dénoncer personne. Nous-mêmes, nous avons un genre de politique. Alors, nous-mêmes, nous ne pouvons changer. Et la population a commencé à comprendre ça. Pendant qu'on attaque le matin, midi, soir, il y a des gens qui ont payé la radio pour attaquer nous. Et puis, il y a même logique avec nous. Sauf qu'elle n'a pas assumé le vêtement. La fait en bachal. Alors, Michel, fais-moi confiance. Mm-hmm. Majorité de monde qui est dans la rue, ensemble avec nous, ils auraient été amis, ils auraient été alliés. Nous avons des divergences, ils n'ont pas toujours d'accord avec nous, mais nous-mêmes, nous sémantons 77 fois, 7 fois, nous ne pouvons pas le peuple à mentir. Nous ne pouvons pas supporter Ariel Henry, nous ne pouvons pas supporter en bas table. Nous avons signé un accord en septembre, nous signons un accord 21 décembre, nous assumons. Et nous sommes un rallye de politique, sinon pas le seul, qui campe publiquement depuis plus passé 14 mois, nous dit, nous ne sommes pas capables de sortir dans la situation où nous là, en bas gang, si par une force internationale. Cette position, nous, notre position, elle est toujours claire, elle est toujours précise, nous parlons en langue du bois. Ça fait des gens qui parlent de nous, mais ça fait tout des gens qui remènent nous. Et pas tout profiter de remercier, pour ça, qui a participé dans le sondage 18 décembre 2023, nous qui pas voter pour nous, c'est pas ça qui est important. Nous qui voter pour nous, nous remercier. Mais le plus important, c'est que contrairement à ça, mon pensée, peuple-là, il y a tant de conditions de sécurité à réunir pour aller à l'élection. Peuple-là, on est à l'élection pour aller choisir le monde qui peut venir diriger. Contrairement à mon qui pensait, faut écraser, briser, lâcher man, York, ça veut dire jeudi, écraser, briser, pour qu'on a fait longtemps, on ne peut pas marcher encore. Sous Jovenel, sous Matéli, sous Jean-Claude Duvalier. Peuple a nous l'autre dynamique, peuple a un dialogue, un compromis, et population attend élection pour la choisir qui est qui pouvait nous diriger. Si vous leader, permettez, mettez un leader. Allô? On a fini. Le leader, il faut qu'on l'ait pas à changer. Bagay la changé, il faut que le leader politique comprenne bagay la changé. Je dis à mon tant de sécurité pour choisir le monde pour venir diriger. Bataille, il y a qui est sur l'île, ça pour nous rentrer. 770 personnes qui vivent entrer là, c'est 510 élus. Parce que le pacte facile, d'après ça, il dit, on a bataille pour rentrer, etc. C'était extrêmement difficile. Mais la population attend les élections pour choisir ses dirigeants. C'est le message le plus important. Moment arrivé pour nous rentrer dans la concertation, dans la paix, dans la stabilité. C'est ça qui est bon pour le pays, c'est ça qui est bon pour l'économie du pays, c'est ça qui est bon pour nous tous. Nous sommes obligés de continuer à faire même bagarre là. Tout le temps, surtout, les nabites le font et puis le pas marcher, le pas pour tes résultats. Le peuple haïtien est très intelligent. Si vous me permettez, M. André Michel, dans le cadre de votre intervention, vous avez parlé de dialogue. Dans pile monde qui était qu'à poser aux questions ça aujourd'hui, à l'époque de Jovenel Moïse, tu as gagné même question dialogue ça. Jusqu'à ce que, dans le cas de discours où, M. André Michel, vous dites que vous pas traverser cadavre pour aller entrer dans une sorte de négociation. Je dis en là, M. André Michel, où vous discours, côté que vous demandez, sans tout le monde vienne dialoguer. 107.7 FM. Qui ça sérieux. Qui expliquait revirement ça? Est-ce que le contexte-là, il vient plus bon ou bien il vient bon par rapport à contexte qui était gagné sous le président Jovenel Moïse? Belle question. Bien content, bien chance de participer à l'émission, ça a pris un petit bout de temps. Je vais faire un peu de temps parce que je gagne une réunion où je vais participer. Je suis bien content parce que vous posez une question, ça. Que on a posé tout le temps dans le pays, le journaliste a posé tout le temps. Une question fondamentale. Ou même comme journaliste, est-ce que vous parlez en compte, peuple-là,
dans l'autre dynamique. Est-ce que vous parlez en compte dynamique politique l'a changé? Est-ce qu'on parle en compte le peuple a souhaité la paix, le besoin de stabilité, le besoin de concertation? Le moi-même, sous Jovenel Moïse, je suis contre campé, me dit, nous pas de négociation avec Jovenel Moïse. Et pas moi seulement qui te dit, non? Nous avons 200 000 personnes derrière à travers le pays qui a prévété. C'est ça, vous voyez, oui. Je dis à mon cap dit, il n'y a pas de négocier avec Ariel. Il faut qu'Ariel Henry aille. Combien de monde y a derrière? Ou pas j'aime faire analyse ça? Ou pas j'aime poser tête aux questions ça? Quand des fois, l'aime camper champ de masse, nous disons pas de négocier avec Jovenel Moïse. C'est 250 000 personnes à travers le pays. Parfois, qu'on gagne 700 000 personnes. Parfois, qu'on gagne 1 million de personnes. Je dis, allez, on dit lui-même. Oh, faut qu'Ariel aille, faut nous faire l'autre transition, dans l'autre transition ça, faut nous mettre 7 présidents dans le palais, faut nous mettre 7 présidents. Combien de monde dit-il? Comme disait Staline, le pape, combien de divisions? Qui sont derrière comme représentativité? Ça veut dire, là, nous, dès qu'on a dit là, c'est un contexte politique qui demande. Population était une compréhension par rapport à Martelly, était une compréhension par rapport à Jovenel Moïse, parce qu'il ne faut pas oublier. Moun sa yo, c'est eux-mêmes qui volent les copies pour Caribéen, qui mettent une mise à Jodia. Moun sa yo, c'est eux qui mettent toute gang dans le pays, qui fait des Genève, qui fait aptouiller moun dans le quartier populaire, moun qui te kayo. Population était une raison pour ne pas vouloir rentrer dans la négociation avec moun sa yo. Mais Ariel Henry, mes chers amis, on ne doit rien mettre, on ne doit pas remettre, c'est la démocratie. Son médecin qui fait toute bulle à travail comme neurochirurgien, c'est une période, n'importe qui a un problème dans la tête, dans tout le pays, c'est Ariel qui est là. Parce que c'est une période même seul qui est là. T'es venu gagner 2, t'es venu gagner 3, t'es venu gagner 4, t'es venu gagner 5. Jusqu'à présent, il y a des cas où on gagne. C'est Ariel qui est là pour l'opéro dans la tête. Ça veut dire qui ça? Leader politique, des problèmes avec Ariel parce qu'il a besoin de pouvoir, et je le comprends, ça fait partie du jeu politique. Mais population, hein, mais pourquoi est-ce que c'est Ariel fait qui mal? Parce que lui connaît, c'est pas Ariel qui met gagnant. Peuple la connaît, c'est pas Ariel qui met gagnant dans le pays. Il faut faire très attention. Et ça, quand le monde n'a pas attaqué matin, midi, soir, il faut prendre pile précaution. Parce que pendant qu'il n'a pas attaqué, on prend l'autre monde qui comprend position. Aujourd'hui, je l'assume, la position politique correcte, c'est une position qui fait dans ce dialogue, sous concertation, c'est une position, j'en ai toujours dit, qui m'a donné force internationale, venez de craser gang dans tout le pays, parce que nous-mêmes, dans SDP, nous ne pas supporter gang, nous ne pas dans ces coups-là avec gang, c'est une position qui dit, on nous mette sécurité, on fait apaisement social, on fait gouvernement international, on élargit HCPA, on monte un conseil électoral crédible, on a l'élection, le peuple a choisi qui est-ce qui pouvait diriger. On parle de gang, madame Michel. Il y a plus de monde qui tend des déclarations, et certains monde, je dis à là, qui a cherché comme étant des monde qui participaient dans ces actions illégales, etc. Surtout du côté de tabac, qui dit qu'il y a des relations avec un pile monde qui n'a mouvement politique anti-Jovenel. Est-ce que ça, moun sa Abdi, a qui type de réponse a bayo par rapport à ça Abdi que te gende nous nan moun nan nous qui gen rapport et relation avec yo? Écoutez, moi pas jam capable parler pour tout le monde. Moi pas jam capable défendre tout le monde. Mais ouais, de qui est-ce pas parler? C'est FM. Oui. Moi pas jam capable parler pour tout le monde, mon pape Jean capable de défendre tout le monde. Parce que chaque monde a une histoire. Chaque monde a un parcours. Moi, j'ai un parcours politique, Gary. Et ou même, Gary, ou qu'on parcours politique, ou qu'on côté me sauté, ou me décoté, me là. Moi-même, André Michel, pas de aucun chef gang. Moi, j'aime parler dans le téléphone. Pas de aucun chef gang. Moi, j'aime voir la jambe à yo. Et fais-moi confiance, Waldo plus. Ils ont mené toute qualité enquête sous moi pour rejoindre. Est-ce que chef gang ça a appelé des parler, qui a cité nos André Michel là, il y a besoin qu'on ait. Est-ce que bonjour André Michel te parle avec? Est-ce que bonjour André Michel te relève le téléphone? Eh bien, le résultat, c'est qui ça? Chef gang ça
li pa jam parler André Michel yon jou nan téléphone. André Michel pa jam voye on moun pale avec li. André Michel pa jam rencontre li. Alors moi André Michel fais conscience. Les populations commencent à comprendre ça. Pas jamais dans danser collé avec voyou, pas jamais dans danser collé avec délinquant. Mon son nègre qui sorti la montagne Jacmel, mon section communale. Moi fait étude primaire moi l'école nationale La Croix. Et l'école ça c'est un ancien chef section, le Nabal Koffi qui t'a dirigé, qui venait l'autre monde qui vient diriger. Moi rentré par ton prince dans le lycée Toussaint l'ouverture. Je me rentre pas au prince là, c'est la veille inscription à fini dans le lycée. Je m'a l'inscrit en lundi. Et là, je fais philosophie. Moi, étudier droit. Moi, étudier sciences politiques. Moi, je n'ai pas de rapport avec délinquants. Je n'ai pas de rapport avec voyous. Moi, c'est petit paysan. Moi, grandi dans l'honneur, dans la dignité. Je n'ai jamais de drogue. Je n'ai jamais de cocaïne. Je n'ai jamais de monde. Je n'ai jamais de gang. Il est un homme crédible et on va pas dire c'est Mr Clean parce que c'était bon mais Mr Clean longtemps il pas toujours bonne connotation. Il est un homme crédible de... non magasin pas rien mon t'a pas reproché et c'est ça que fait pas jamais qu'arrive on parle de magasin Mr Clean bien sûr t'as la bagaille nèg dis au moins matin midi soir ou j'ai mon monde dans dossier il y a pas de dossier contre moi pas touyer monde pas dans drogue pas dans corruption. D'ailleurs, jusqu'à présent, beaucoup de gens gèrent l'État, beaucoup de gens participent dans le gouvernement pays, même si, en tant que citoyen, on a le droit d'avoir des ambitions pour un jour moins dirigé. Même gens, nous tous là, on a le droit. Beaucoup de gens n'exercent aucune attribution d'État, beaucoup de gens n'exercent aucune autorité l'État. Bref, nous sommes qui? Qui clean, nous sommes une équipe irréprochable, et je suis au-dessus de la mêlée, même si il y a un monde qui a attaqué matin, midi, soir. Mais la vérité finira par triompher, et vérité a commencé à triompher. L'autre fois encore, merci à 570 monde qui ont participé dans le sondage Scoop FM, qui crée un pile problème dans le pays. Hein? Qui fait jeudi à Gary, qui fait Volchal, à l'été, une vidéo qui a fait longtemps qu'a circulé. Et me remercier particulièrement mon qui t'a choisi pour voter pour moi, parce que je crois André Michel capable de diriger Haïti, est capable de porter un projet, est capable d'appliquer une vision. Et sur ce point, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort sur ce point bien précis. Croyez-moi si vous voulez. Mais André Michel, nous connaissons que ou pas pour arrêter. Oui, parce que m'bral non le terrain. Nous avons deux questions. Oui, oui. Question par David Chonet et puis moi ma pop. Est-ce que quelque part, Maître André Michel, il existe aujourd'hui une parfaite harmonie entre vous et le PHTK que ou pas de jambes suspendre dénoncer? Belle question. Quelle est la vérité? Je côté n'a parlé là jeudi. PHTK réclamé comme un parti politique qui est en opposition. Jusqu'à côté n'a parlé là, Liné Baltazar, qui c'est président PHTK, il pas signé accord 21 décembre. Liné Baltazar a demandé un collège présidentiel. Bref, nous sommes dans le même combat. Ou pas qu'à dire en harmonie avec mon gros en négociation. On était en face, Liné Baltazar, PHTK, dans la négociation. Quels ont été les points de désaccord? Vous dites? Quels ont été les points de désaccord? Ah ben, les points de désaccord, un, Liné Baltazar, lui-même, lui qui fait au fond un conseil de transition avec cinq autres mondes, nous-mêmes nous dit, il y a trois mondes qui l'ont déjà dans HCTA, quel que soit ça, il faut qu'il la donne. Deuxièmement, Liné Baltazar dit, faut conseil de transition, il y a toutes les attributions présidentielles, y compris le droit de révoquer le premier ministre, nous rejetons, nous ne disons pas d'accord. Troisième désaccord, Liné Baltazar pensait conseil de transition, ça, c'est le monde qui président conseil, ça, c'est lui-même qui pour chef pouvoir exécutif, là. Nous autres, nous disons non. Ariel Henry, à sa qualité de président du conseil des ministres, est et restera le chef de l'exécutif. Nous avons trois désaccords majeurs
avec PHTK, et c'est pourquoi on n'a pas encore cette entente recherchée. Mais le plus important dans ce contexte, ce n'est pas qui est-ce qui PHTK, qui est-ce qui X, qui est-ce qui Y, nous besoinons entente pour nous aller dans l'élection. L'élection a démarré, nous parlons devant le peuple a compte qui est-ce pour voter. Est-ce que le peuple a voté pour le monde qui te mette gang dans le pays, ou bien est-ce que la voté pour le monde qui va jamais mettre gang dans le pays? Est-ce que le peuple a voté pour le monde qui dévole le corps pétro-caribé, ou bien le peuple a voté pour le monde qui pat dans le corps pétro-caribé? Mais ce sera un débat électoral et ce débat sera tranché par la population en toute indépendance, en toute autonomie. Certains sénateurs ont écrit à président Biden, ils ont demandé pour réagir rapidement contre le premier ministre Ariel Henry parce que si Michel n'a pas dirigé bien, ils ont demandé pour mettre l'autre transition. Quelles sont les positions, si sénateurs? Vous connaissez la tête de l'autre banc? Bon, vous croyez qu'on centaine, si vous ne m'avez pas compris. Ces positions, six sénateurs, dans toute démocratie, six sénateurs qui sont minorités, capables toujours d'un positionner. Ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il faut comprendre, ça pour dire ce qu'on peut faire mieux comprendre, c'est que la politique étrangère des États-Unis est décidée à la Maison-Blanche et est exécutée au département d'État. Ça veut dire que ça, même son groupe de la majorité dans le Sénat n'est pas au même cap déterminé politique étrangère États-Unis d'Amérique. La politique étrangère américaine est décidée à la Maison-Blanche et elle est exécutée au département d'État. Voilà ce qu'il faut comprendre. Un sénateur capable d'une position, c'est la démocratie. Un député capable d'une position, c'est la démocratie. Et bon garantie. Position un grand député, deux grands députés aux États-Unis sous Haïti, la bien plus importante en Haïti qu'aux États-Unis. Même quand vous avez dit ça aux États-Unis même. C'est une position qui a une force, qui a une faiblesse. Li, yo connaît politique étrangère, c'est Maison-Blanche et ensuite département d'État. Mais les sénateurs ont libre d'avoir leur position. Les dernière question, Mme Demichel, bizarre. Très bizarre. Et en tant que fer de lance, côté de la mobilisation anti-Jovenel, c'est-à-dire les arrêtés militants, conférences de presse dans la rue, toujours là, etc. Ça peut pas être bizarre là. Et puis un groupe monde qui a décidé de pas tuer le président, n'est qui de plus monde, qui met monde dans la rue là, il va mettre le courant. Comment est-ce que on comprend ça? Maintenant là, Madame Demichel. Dernière question. La dernière question. Entendez-le. Oui, ça va. Oui. Madame Demichel. Oui, je suis là. Dernière question, vas-y. Je vais prendre une dernière question pour vous. Oui, reprenne pour moi, m'attendez. Bizarre, m'attendez, Michel. Faire de lance de mobilisation anti-Jovenel, tout le monde comme ça. Conférence de presse, etc. Tout le monde, même les qui étaient au pouvoir, ça m'a Jovenel, qui étaient rejoint nous. Dès pour parler, tout le monde qu'on est à preuve, je dis à où est-ce où, c'était monde à attaquer. Mais ça m'a compris, non? Comment faire un groupe qui décide ou pas tuer Jovenel? N'est-ce qu'il y a plus de gens tout le monde dans la rue, pour ne pas dire rien. Parce que moi, j'aime relayer pour le jour, de l'une des gens qui rencontrent. Ça, c'est un bail qui est très bizarre. Comment est-ce qu'on peut réagir? Belle question. Alors, c'est pour moi, le juge a été relayé déjà comme témoin. Oui. Et à la vérité, la première chose, c'est que faut moi condamner, une autre fois encore, l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous-mêmes, nous avons un projet, nous avons une stratégie, nous avons une compréhension des batailles. Là, nous avons une stratégie pour nous renverser Jovenel Moïse au pouvoir. À aucun moment de la durée, nous pas de jambes, la dynamique ça, et puis nous pas de moyens ça tout, ni pas dans la philosophie. Non. Eh bien, on dit tatouille Jovenel. Que tatouille Jovenel d'abord contre Jovenel, contre l'équipe de Jovenel, mais tatouille Jovenel tout contre SDP, contre l'équipe du SDP. Il n'y a tout pas non coup d'état à tout. Parce que c'est levé nous d'appeler un matin, le 7 juillet, nous avons constaté premièrement Jovenel mourir, ça y a fait, et ensuite nous avons mon appelé à. Ça veut dire, il y a fait coup d'état à fait contre SDP tout. Mais bien sûr, mon ami. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Le coup d'état qui a été et mise en œuvre contre Jovenel Moïse, a été premièrement contre Jovenel Moïse, qui était le détenteur du pouvoir, Jovenel Moïse et ses alliés, mais ce coup d'État a été aussi mis en branle
contre le SDP, seule force politique qui a une capacité de mobilisation. Et c'est ça que fait. Yo range coup d'État, yo prend toute disposition. Et c'est pas seulement SDP qui patte la donne, nous t'en dire pas tout, aucun dirigeant SDP patte la donne, et aucun dirigeant dirpot patte la donne. Tout nègre avec femme qui était sur le terrain du combat politique, qui était en capacité de mobilisation, ils ont décidé de mettre tout dehors. Et si quoi te marché, ils ont fini tous les journaux, probablement, ils ont assassiné l'autre monde qui était dans SDP, l'autre monde qui était dans dirpot. Mm-hmm. C'est un coup qu'ils ont fait pour éliminer. Un bon adversaire ensemble, c'est un seul coup de roche t'as fait pour être capable de douiller deux coucous ou bien trois coucous. Et comme ça nous dit dans le pays. Alors c'était fait contre Jovenel Moïse, qui malheureusement a été exécuté, mais c'était fait aussi pour empêcher l'accession au pouvoir du SDP. Parce que si Jovenel pas assassiné, au bout de la ligne, SDP t'a fini par prendre le pouvoir avec sa capacité de mobilisation. Ce coup d'État a été aussi fait contre le SDP, contre la DIPOD, à laquelle nous appartenons comme groupement politique. C'est ça la vérité. Noël arrivé, 24 décembre, année a changé. Quel est le message, Matin de Michel, pour la fin de l'année par rapport à gestion pays à 2023 qui est catastrophique et 2024 à cas privé? Est-ce qu'il y a des perspectives plus ou moins côté pays à capable de respirer? Quels sont les mots, quels sont les propos que vous capable le premier message adresser à PIA? Premier message, on connaît le gouvernement sans pile fort, ou bien l'argent qui rentre dans la caisse d'État. Félicitations, tout le monde reconnaît ça. Même si le problème de sécurité a fait que on ne peut pas capable de réalisation du gouvernement. Mais moi, je crois que dans la période nouvelle là, faut gouvernement mettre un programme d'apaisement social qui vive dans le quartier populaire, qui vive dans la section communale, pour aider la population à passer Noël là, quand il coupe dans le profil. Moins de sensibilité populaire, moi son homme de gauche, moi t'as remis ça en pile, et je donne ce conseil au gouvernement, je donne ce conseil au docteur Ariel Henry, le chef du gouvernement. Deuxième chose, moi voulais l'autre acteur politique qu'on connaît, surtout l'autre qui n'a déclaration de Kingston. Ils sont des camarades, nous avons de bonnes relations. Nous ne sommes pas dans le gourmet, nous ne sommes pas dans le jour. Nous voulons comprendre que je dis, il n'y a pas d'autre option qui a marché. La seule solution qui a marché, c'est la solution dialogue, c'est la concertation. On nous mettait ensemble avec Dr. Ariel Henry, président du Conseil des ministres, chef du pouvoir exécutif, pour nous joignons entente le plus vite possible. Pour nous faire gouvernement d'union nationale, là, Jean SDP a demandé ça. Pour nous monter un conseil électoral sans force côté. Pour nous élargir HCTA, pour nous mettre de l'autre monde dans HCTA. Pour nous renforcer le pouvoir HCTA. Pour nous aller à l'élection, pour le peuple a choisi qui est-ce qui pouvait diriger. Heureusement pour le pays, Jean SDP était toujours à demander. Je dis à une force multinationale qui est déjà en route. Cap vini dans jou, cap vini yo, qui pral aider la police craser gang dans tout pays, on profite de présence force multinationale ça cap ce territoire, ou un, nous fait élection, deux, nous construit des forces de sécurité nationale, l'armée, la police, et ensuite, pour nous jeter les bases du développement de ce pays. Parce que pour pays à développer, faut gain investissement. Et c'est investissement qui pour bail travail, et pour moi, c'est un bagage qui est capital. Parce que franchement, comme l'a toujours dit et mon ami qui vit à New York, le problème de ce pays est fondamentalement un problème économique. Tant que nous pas créer de travail, pour nous mettre la majorité de notre pays dans le travail, nous pas attirer l'investissement, pour nous faire tout côté dans le pays, pour business à l'ouvrir, pour gagner très tard sortir les organes, monter Saint-Marc, tout autant nous pas créer de travail dans le pays, nous pas développer le pays, nous avons fait carré dans la politique sociale. Et par l'économie seulement, qu'on peut changer ce pays. C'est ma position. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame de Michel. Merci. Tenez ferme. Caméra.
Merci aux auditeurs de Scoop FM. Encore une fois, merci à Fati GPPC. Pas de problème. À ceux là, qui ont participé à ce sondage. Ouais. Il va y en avoir d'autres, mesdames et messieurs. À bien l'autre sondage. La bataille continue. Merci à mes partisans, à mes sympathisants. Merci à celles et ceux qui me supportent. Okay. C'est un combat. Croyez-moi. Maître André Michel, donc, qui t'a intervenu, et lui mettre l'a dit, c'est un combat. Et le combat est permanent. Le combat est quotidien. Le combat est partout. Donc, on a continué travail pour nous capables de créer des espaces de liberté pour analyse et pour critique. On a continué le travail pour nous capables de créer des espaces pour la population capable d'exprimer. On a continué le travail pour nous capables pour pays capable de choisir leader conséquent pour venir diriger. Parce qu'en fait, on est capable de continuer à faire manipulation un peu partout. Mais maintenant, pour arriver à une solution appropriée à la problématique pays, il ne faut pas ni chantage, ni montage politique pour faire. C'est-à-dire, le pays nous appartient. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pouvons pas quitter le pays ça. Pour nous vivre à l'étranger, et puis qu'on y a, pour le monde qui a un minimum de compétences. Minimum de compétences, et puis vous pas agi, vous quittez le monde qui aigrit, le monde qui paraît, mais le monde qui a fait de manipulation, c'est vous diriger. Donc, nous sommes là, ferme à la barre, et nous allons continuer. Et notre objectif, c'est de faire quelque chose de bien pour ce pays. Parce que nous ne pouvons pas nous laisser diriger seulement par des gens qui sont intéressés à intérêt personnel. Donc, nous n'avons jamais eu peur. Et il n'y a pas de panique. La vie, c'est la lutte. L'exploitation d'une image ne peut aucunement bloquer l'objectif prioritaire que nous avons, qui est de servir la nation. Mais j'ai remarqué que, de toute façon, que je suis un homme populaire, très populaire, et je vais utiliser cette popularité pour arriver Donc, c'est un ami du lycée Jacques de Saline, a dit, monsieur, moi gagne 45 ans, et puis bien, monsieur. Fidial. Donc, pour mon dire, on va 45 ans. Et vous avez les mains, on peut mettre là direct, et bien, comme ça, pour Fidial. Donc, n'avancez. Donc, n'ayez pas peur. Au contraire. J'aime ce dino. Nous pas avancer. Nous pas quantifier. Ouais. Mounio. Nous pas multiplier par 1 million, 2 millions. Parce que j'ai remarqué, ceux qui avaient gagné les dernières élections et 500 000 voix. Vous avez fait pas ça? Oui, c'est 500 000 voix. Nous avons 1 million vieux. Nous avons 2 millions. Sous mariage, 1 million de vues sous l'image ouvrière.
et pas même nous brûler. Donc, je peux régler quelque chose avec ça pour aider le pays. Donc, nous avons besoin de Gary pour diriger ce pays. Et ceux qui ont fait publier Maréchal, ils sont quelque part à côté et ils veulent être candidats ou bien ils veulent et revenir au Palais National. Ils ne sont pas là, au Palais National. Le Palais National appartient aux hommes qui vont pouvoir changer ce pays. David, son à toi. Bon, et... Nous vous remercions. Nous vous remercions parce que vous êtes abonné avec Créole Promo, sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez Chanel. On sous plus grosse plateforme, plus mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bon bagaille, Jean Yoyia. Toujours abonné, toujours partagé, toujours commenté. Et n'attendons pour demander qui sont besoin, qui sont à remettre et qui sont plus tôt. Créole Promo. Ça en souffre. Ciao.